matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 25 avril 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux. Amour, santé, finance et juridique, dans un délai le plus bref, ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le 10 de terre, donc c'est une carte mineure, une arcane mineure. Sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Alors, c'est la suite de terre et elle parle de quoi cette suite de terre? Des aspects, matériels évidemment, de l'existence, l'état de vos finances, ou les moyens de gagner votre vie et de subvenir aux besoins de votre famille. Le 10 de terre, pour certains d'entre vous, c'est une période de sécurité financière et avec une satisfaction qui est, plus ou moins paisible. L'accent est mis sur la famille, et en particulier, le fait d'assurer l'avenir de vos enfants et d'avoir évidemment des fonds de côté pour votre retraite. C'est important. Le confort matériel, la maison, le foyer, sont des priorités pour certains d'entre vous. Satisfaire les besoins de la famille est une preuve d'amour, n'est-ce pas? Au même titre que les démonstrations d'affection. C'est une belle carte positive. Tout est paisible et heureux avec cet arcane. Il est important que vous racontiez votre histoire à vos enfants ou petits-enfants ou aux autres membres de votre famille, de la façon dont vous avez vécu, les hauts et les bas que vous avez eus, enseignés. Alors cette carte, elle pourrait pouvoir dire aussi qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous un héritage qui fait chemin. Et c'est pas une petite somme d'argent. Cette carte, elle vient aussi dire que pour certains d'entre vous, on vous invite à transmettre vos connaissances, et c'est vraiment une sécurité financière, cette carte. C'est beaucoup sur le financement et de ce que vous avez accompli jusque maintenant. Vous avez pris soin de votre petite famille et vous avez un sentiment d'accomplissement comme ça. Parce que vous avez bien fait, vous avez fait les choses comme il fallait. Pour ceux et celles qui vont peut-être prendre leur retraite, vous avez fait un bas de laine, comme on va dire, comme nos anciens disaient, un bas de laine. Et ça va vous permettre de vivre un petit peu mieux. Alors, c'est ce bel archange Jophiel
qui est là avec vous. Et il est là pour partager votre bonheur et votre bonne fortune. Parce que les archanges, les anges, il ne suffit pas de les appeler quand on a besoin, mais il faut aussi les appeler pour qu'ils partagent aussi avec nous le bonheur que nous avons. Donc c'est important. Et ici, c'est l'archange Jophiel. Voilà, appelez-le pour partager votre bonheur que vous ressentez, que vous avez, et votre bonne fortune, et vous l'appelez sincèrement, n'est-ce pas? Vous avez le monde qui est là, le monde est à vous. Cette carte représente dans le tarot de Marseille la 21, et c'est le monde. Donc, c'est une magnifique carte avec les quatre éléments, le tarot de Marseille. Et voilà, le 10 de terre représente le monde dans l'archétype de majeur du tarot de Marseille. Et bien voilà, je vais tirer maintenant une carte, voilà, le petit oracle, à propos des anges gardiens. Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers, de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors, qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Bien oui, nous avons au moins un ange gardien. Maintenant, je vais vous dire que nous avons trois anges d'incarnation. Ainsi, pour toutes celles et ceux qui me suivent depuis des années, voilà, nous avons trois anges d'incarnation. Nous avons notre ange physique, familièrement notre ange gardien. Nous avons notre ange émotionnel et nous avons notre ange intellectuel. Et maintenant, pour savoir quels sont nos trois anges d'incarnation, eh bien, si vous le désirez le savoir, vous pouvez me mettre en commentaire votre date de naissance. Je n'ai pas besoin de l'année, j'ai juste besoin de votre date et l'heure de votre naissance, parce que j'ai besoin de l'heure pour calculer l'ange intellectuel. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et puis on se retrouve demain pour un nouveau message, et d'ici là, portez-vous bien, moi je vous embrasse, à demain.